Dites-moi, attendez, et après, non, posez-vous, parce que sinon, vous me dites quand. Ah non, mais pour pas qu'il y en ait un qui se fasse écraser. Là, ça va. Recule d'un pas. C'est bon pour tout le monde. C'est bon. Vous me dites. Attention. Les VFM, il faut mettre tout haut. Il faut même glisser, attention. Le micro, le micro. Et ok, Katia. Comme vous voulez. Laissez un peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez décaler un peu vers moi? Parce que j'ai un collègue qui est derrière moi. Tu passes la tête, tu me vois. C'est bon. Non, mais n'avancez pas plus. Comme on vous l'a indiqué, Gérard Depardieu entend se présenter devant le tribunal correctionnel. Il souhaite ardemment se défendre, puisque depuis plus de 3 ans, un très grand nombre d'inexactitudes, de fausses informations et de mensonges ont été diffusés, relayés systématiquement. On n'a eu que la parole de l'accusation et maintenant, enfin, on va pouvoir avoir la parole de la défense. Malheureusement, ces médecins nous ont interdit Malheureusement, ces médecins ont prescrit une interdiction de se présenter aujourd'hui. Mais ils ont indiqué qu'avec un traitement adapté, ils pourraient se présenter dans 6 mois. Donc nous allons demander un report dans 6 mois afin qu'ils puissent se présenter devant le tribunal correctionnel. Et le traitement, c'est quoi en fait, le traitement? C'est quoi les raisons médicales de sa non-venue? C'est quoi les raisons médicales de sa non-venue aujourd'hui? Parce qu'en 2 jours de temps, il a... Vous verrez, ce n'est pas en 2 jours de temps. Le tribunal correctionnel est informé depuis la semaine dernière et... Les certificats médicaux ne datent pas de ce matin, bien évidemment. On a espéré encore hier avoir un avis médical positif et malheureusement, les médecins qui l'ont examiné ont réitéré leur interdiction. Dans ces conditions, nous sommes contraints, mais c'est vraiment contraints de solliciter un renvoi et nous sollicitons également une expertise médicale dans l'hypothèse où certains ou certaines, puisque j'entends que les parties civiles ne s'associent pas à cette demande de renvoi, c'est-à-dire que très curieusement, les parties civiles souhaitent avoir un procès sans Gérard Depardieu, alors que Gérard Depardieu, au contraire, veut s'expliquer, puisqu'il conteste catégoriquement l'ensemble des accusations qui sont portées à son encontre. Pour lui, il réfute totalement toutes les accusations. Il réfute intégralement toutes les accusations et nous avons de très nombreux éléments qui démontrent que toutes les accusations ne sont que mensonges et désinformations. Et ce n'est pas un ou deux témoins, nous avons plus de 8 témoins qui attestent que la version délivrée par les accusatrices est totalement inexacte et fausse. Et le tribunal tranchera, mais je rappelle quand même que nous avons eu une enquête préliminaire qui a été exécutée en 2 mois, uniquement à charge, et que Gérard Depardieu a été dans l'impossibilité totale de pouvoir faire le moindre acte ou la moindre demande, ne serait-ce qu'une copie, durant l'enquête préliminaire, puisque le procureur a fermé le dossier sitôt sa garde à vue levée. Donc ils l'ont empêché d'exercer les droits qui étaient les siens, et aujourd'hui, le tribunal va quand même rappeler un certain nombre de règles que le principe de base, c'est de pouvoir se défendre, et que ce n'est pas parce qu'on accuse, qu'on assène une vérité. Tout ce qui vous a été raconté, dit et diffusé et communiqué depuis des mois est inexact. Vous avez eu qu'une seule version des affaires, et c'est très facile de convaincre quand vous n'avez pas de contradicteur. À partir du moment où il y en a un, vous verrez, et le tribunal tranchera, mais nous sommes très sereins et très confiants. Merci. Mais vous savez que Gérard Depardieu, à l'heure actuelle, est toujours à Dubaï ? Comment ? Gérard Depardieu est toujours à Dubaï ou il est en France ?
Gérard Depardieu n'a jamais été à Dubaï depuis 4 ans. Regardez, il suffit que vous regardiez la date des réseaux sociaux dans laquelle cette vidéo a été postée. S'il vous plaît, renseignez-vous. Merci. Il est où en ce moment? Par là. Thank you.